Donc nous sommes chez MyDitex. My Digital Textile, mon tissu numérique. Ok, c'est ça, je me demandais. Voilà. Je me demandais pourquoi ça s'appelait. Non, mais maintenant je comprends. Voilà. Donc je suis avec Sébastien, le fondateur de MyDitex. Tout à fait. Alors on y fait quoi? Donc chez MyDitex, on imprime des tissus d'ameublement et de décoration en digital, avec des machines numériques, en petite et moyenne série. Et donc nos clients sont l'hôtellerie, donc on travaille des projets spéciaux avec des architectes pour l'hôtellerie, et on fait après des rideaux, enfin du tissu pour des rideaux, des banquettes, des coussins, des choses comme ça. On travaille pour des marques de décoration, que je ne peux pas citer. Des marques de l'industrie du meuble, de l'ameublement, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. De luxe? Oui. Ok. Et on travaille aussi pour des éditeurs de tissus d'ameublement, que je ne peux pas citer. Okay. Pour des marques plus ou moins grosses, voire même des fois très petites. Et on a aussi nos propres marques de décoration. Qui sont Cost... Là, on peut les citer. Là, on peut les citer. Qui sont Cost & Valley, qui est une marque de décoration qui est dans l'univers de la montagne et de la mer. Donc des choses comme celle-ci. Voilà, donc des coussins qui sont vendus dans des boutiques de stations de sport d'hiver avec des motifs liés à la montagne, avec aussi des personnalisations par station en fait. Donc là, c'est pour les carreaux d'arrache. Et donc, on a la même chose aussi sur une collection bord de mer pour l'été. Et du coup, ça, c'est des produits que tu vends finis, comme ça. Ouais, en fait. Exactement. D'accord. Et alors, qui fait les dessins? Qui fait les photos? Qui conçoit l'aspect graphique? Alors, on le fait en interne. C'est mon associé et mes équipes après qui retouchent aussi. Mon associé qui fait plutôt le travail de direction artistique. Et ensuite, nos équipes qui retravaillent derrière les fichiers pour les mettre au format, pour refaire quelques modifs au besoin. On a la marque Arpilo. C'est des animaux sur fond de couleur, sur un tissu velours très doux. C'est un vrai beau tissu d'ameublement. Qui est un peu comme une peau de pêche, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un petit velours ras, en fait. Voilà, c'est ça. On voit, donc c'est très spécifique comme collection. Et la dernière, c'est Heritage Studio, qu'on voit plutôt ici. Ils sont des motifs plutôt anciens, qui sont retravaillés et qu'on fait évoluer. Donc c'est une marque qui est plutôt sur le côté ancien, histoire. Ça aussi, ouais, ça, c'est imprimé aussi. C'est de l'impression textile. Ouais, c'est de l'impression, ouais. Ça ressemble à la toile à matelas, quoi. Ouais, exactement. Qui a été tissé, mais là, c'est de l'impression. Et alors, du coup, c'est quoi l'intérêt plutôt? Ça plutôt qu'un tissu tissé, justement. C'est une question de lancement de production en fait. Pour lancer un tissage comme ça, c'est complexe. Il faut teindre des fils, il faut monter le métier à tisser. Nous, on a un fichier ici numérique qui est juste ce petit morceau de rayure. Et après, on fait CTRL-P, on lance l'impression et puis c'est bon quoi. Donc c'est, on s'affranchit de beaucoup de contraintes avec le numérique en fait. L'intérêt, c'est effectivement une facilité de fabrication. Ouais, et c'est... du coup, de coût, évidemment. De coûts, de fabrication, du coup aussi de créativité, parce qu'on peut faire des choses beaucoup plus larges et techniques que du tissage. Oui. Par exemple, on a des clients qui font de la peinture à la main, ouais, et qui ensuite en font des collections de textiles. Et ben ça, en tissage, c'est quasiment impossible à faire. En tout cas, en tissage, si on le fait en jacquard, on va perdre. On va perdre parce qu'on est limité techniquement par la technologie des tissages jacquard. D'accord. Vous avez ici chez MyDitex les collections que vous avez à vous. Oui. Et puis parallèlement, il y a cette activité de prestataire pour d'autres entreprises. Voilà, pour d'autres entreprises, pour d'autres marques. On lance bientôt un site qu'on avait déjà lancé en 2013 et qui n'avait pas marché pour différentes raisons. Et on est en train de le relancer de manière beaucoup plus pro et beaucoup plus créative et beaucoup plus marketing. Un site qui s'appelle DécoTissu, où en fait on a des motifs de tissus. Et en fait, les gens vont juste pouvoir changer les couleurs. Et le site génère automatiquement le fichier d'impression en bonne qualité avec les bonnes couleurs. Et du coup, on s'affranchit de tous ces problèmes de qualité qu'on reçoit. Donc là, on démarre avec une collection un peu réduite. On a quand même, je crois, 70 motifs. Et dedans, on a des tissus d'ameublement qui répondent à des critères Martindale pour le siège notamment, avec des trucs qui font 50 000 tours. Maintenant, on a envie de voir des machines, si c'est faisable, si on peut voir une machine de loin. Non, mais on peut. On ne peut pas voir les motifs. Non, mais Anthony a lancé, je pense qu'on a... Non, Anthony a lancé des trucs qu'on peut aller voir. On a deux process pour l'impression. On a le polyester et on va dire les matières naturelles au sens large. Et donc, on a ces deux machines-là qui sont pour le polyester. Celle-ci,
et celle du fond qui est pour le coton. Les machines de polyester, en fait, pour le polyester, on n'imprime pas le tissu directement. Ça, c'est des commandes qu'on a eues sur les sites internet, etc., de coussins. Donc, par exemple, ça, ici, ça, c'est un coussin. Il y a le recto en bas et le verso au-dessus. C'est ça. On a une page blanche, on vient composer ce qu'on veut imprimer. Mais en fait, on ne fait pas attention au fait qu'il y ait un bleu à côté d'un bleu. Voilà. Parce qu'après, ça sera coupé. On lance l'impression, on lance le truc comme ça. On optimise l'espace. On optimise l'espace au maximum. Voilà. On fait CTRL-P, on fait imprimer, et puis ça part dans l'imprimante comme ta petite imprimante Epson avec son chariot. Et donc, ça part dans celle qui est là-bas. Donc là, ça partira dans celle-là. Tu peux t'approcher. Hein. Enfin, je veux dire, là, c'est nos collections. Ouais, donc, c'est ça. Donc, et ça imprime, c'est du tissu. Donc là, c'est on imprime du papier. Ok. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que le papier va être, qui est imprimé va être transféré sur du tissu. D'accord. Un décalcomanie. Exactement. Ça s'appelle de la sublimation. Et les couleurs. Oui, c'est ça que j'allais dire. Les couleurs qu'on voit là sont pas les bonnes. En fait, quand on fait de la sublimation, c'est à 200 degrés. Et à 200 degrés, les encres, elles pète en termes de couleurs. En fait, une fois que ça va être imprimé, on le met sur le tissu, on le décalque sur le tissu. Sur cette machine-là. Et ça chauffe. En fait, ça, c'est un fer à repasser. Un gros fer à repasser. Et en fait, on vient mettre le papier et le tissu en contact l'un contre l'autre pendant 40 secondes autour d'un cylindre qui est chauffé à 200 degrés. Et l'encre sur le papier, elle vient se fixer sur le tissu. Et donc ça, là, ce qu'on voit ici, ça, c'est le papier. Ça, c'est le papier. Moi, tu peux lancer. Ça, hein. On a vu du tissu quelque part imprimé comme ça. Voilà. C'est celui-ci là. Ouais, sauf que le bleu va ressortir vert. Bon, tu peux lancer, Anthony. Hein. Ça, c'est le papier qui est imprimé et qui sort de l'imprimante. Et ça, c'est le papier déchet qui a été utilisé. Et vous en faites quoi du papier déchet? Ben, on fait des grosses palettes et puis on envoie au recyclage. On a quelqu'un qui nous les rachète, pas cher, mais on arrive quand même à revendre le papier à des recycleurs. Ça, c'est des coussins. Donc avec le recto, alors on voit pas très bien encore là, mais ça, c'est le recto, c'est le verso du coussin. Ça, c'est la même chose que les coussins? Non. Ah oui, en c'est encore fait, un autre. Non, c'est encore un autre. En fait, pour les coussins, nous, on utilise, enfin, à part pour cette marque c'est qui fin, veut ça. En fait, nous, on utilise ça qui a une toile de renfort derrière. En gros, c'est à peu près la même chose, sauf que celui-là, il a un renfort et celui-là, il a pas de renfort. Ah oui, c'est beaucoup plus épais. Et donc celui-là, et ça, du coup, c'est plus facile à travailler, ouais, sur les tensions. Et de temps en temps, on a des gens qui nous font des montants en disant celui-là, il est dur à guinder, à tendre. Exact. Voilà. Mais voilà, pour les coussins, celui-là est bien parce qu'il a un peu plus de tenue que celui-là qui est un peu plus mou. Quoi. Tout à fait vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà, après, on a ça avec lequel on fait beaucoup de transats. Génial. C'est une toile assez rigide. On a ça qui fait un peu de laine. Ah oui, c'est ça, ouais. Et après, voilà. Tous ces tissus, ils viennent d'où? D'un peu partout. Ça vient d'Asie. Les velours, ils viennent d'Asie. Ça vient d'à 30 bandes d'ici. D'accord. On a vraiment de tout, quoi. Ces deux-là, ça vient des Pays-Bas. Donc ça, c'est. Voilà. Ça vient de France aussi. Et tout ça, donc ça résiste bien au frottement? Ouais. Ça résiste hyper bien au frottement. Et ça résiste bien à l'abrasion. Il n'y a pas de fil qui va se casser, il ne va pas avoir d'usure. Ça, par exemple, ça, c'est vraiment bien pour le siège, quoi. Ouais, et ça c'est ceux-là, ils font 80 000 tours, je crois. Ah oui. Ouais. Alors ça, on ne croirait pas comme ça, hein. Non. C'est peut-être 50, mais hyper solide. On en a deux autres, peut-être un peu plus gros, qui font 80 000 ou 100 000 tours. Enfin, c'est. Et alors ça, comme la maille est assez, comme un peu, enfin, allez, on la voit beaucoup. Ça donne un effet très naturel. Quand c'est imprimé, on dirait vraiment une toile de coton. C'est pas du coton, c'est quoi? C'est du polyester. C'est du polyester. C'est que du polyester. Ça ressemble, ouais. Ça ressemble vraiment, ça fait vraiment un effet alvéolé. En fait, ouais, un peu comme ce que j'ai vu dans les toiles du soleil là, à Perpignan. Ça fait des. Une grosse toile, quoi. Ouais, ça fait comme une grosse toile, ouais. Et super. Ça, c'est un déperlant qui fait aussi 50 000 tours.
Oh là là, j'ai la tête qui chauffe. Ok, et ça je peux garder? Oui. C'est vrai? Oui. Ah génial, super. Oui. Super, merci beaucoup. Bah non, mais... Bon, bah c'est parfait.